Je m'appelle Laurence Decamp, je suis responsable compétition de la Ligue de Normandie. Alors, responsable des compétitions, c'est de veiller à ce que les organisateurs respectent bien l'organisation donc des différentes compétitions qui sont organisées au niveau régional, donc dans les ligues. Donc nous, on les aide avec des cahiers des charges et on est là pour vérifier, pour chapeauter et vérifier qui tiennent bien compte du cahier des charges qu'on a mis en place. Au niveau de la Ligue, on confie, nous, l'organisation à des clubs. Donc, en début de saison, on fait un appel à candidature pour tous les championnats régionaux, donc de toutes les disciplines. Les clubs s'inscrivent et après, on retient les clubs qui se sont portés candidats. Et ensuite, on fait le calendrier. Et donc, à chaque fois, chaque club qui est retenu reçoit le cahier des charges pour organiser cette compétition. Pour l'instant, c'est très très rare de ne pas avoir de compétition où on n'a pas de club candidat. Dans ce cas-là, si nous n'avons pas un club candidat pour organiser une discipline, ben malheureusement, nous sommes obligés de voir avec une ligue voisine. Nous sommes contactés donc par les athlètes pour avoir des renseignements au niveau des catégories dans lesquelles ils peuvent tirer en fonction de leur âge. Bah, par exemple, un cadet, normalement il tire le 3x20, mais est-ce qu'il peut tirer le 3x40? Alors on leur précise que c'est tout à fait possible, mais en se surclassant dans la catégorie junior. Voilà, souvent les demandes c'est ça. Nous avions donc une réunion des responsables compétition ligue où la fédération nous donne les derniers changements sur la gestion sportive. Et donc notre rôle également, ça va être de redescendre au club, aux entraîneurs, aux athlètes, toutes les modifications qui ont pu se faire. La grosse difficulté pour moi, c'est la mise en place du calendrier parce que nous avons de plus en plus de compétitions. Le nombre de week-ends est toujours le même. C'est le casse-tête de la fonction.